Chers Thaï respectés, chère noble communauté, bienvenue dans notre retraite de printemps au village des Pruniers. Nous sommes le dimanche 17 mars 2019 dans la salle de méditation du hameau du haut. C'était beau de voir le corps monastique chanter. J'étais assis à l'extérieur du groupe et je regardais mes frères et sœurs chanter. Les trois refuges. Oui, on chante prendre refuge. Je vais pour prendre refuge dans le Dharma. On ne dit pas je prends refuge dans mes idées à mon sujet. Non, je prends refuge dans le Dharma. Beaucoup d'entre nous, nous avons l'anxiété à notre sujet. On a toutes sortes d'idées à propos de qui nous sommes, d'où nous venons, ce dont nous sommes, ce en quoi nous sommes bons, ou pas si bons que ça. Et il se trouve que la vision profonde que le Bouddha a eue, c'est que la plupart de ces idées que nous avons à notre sujet nous font souffrir, apportent du mal-être. Et en tant que pratiquants, nous marchons sur la voie du bien-être, la voie de la liberté, du bonheur. Dans le cercle zen, il y a une expression, tinbi. En vietnamien, donc tin, c'est le zen. C'est le goût zen, la saveur zen. Donc on dit que notre méditation est correcte quand elle a le goût du zen. Notre pratique qui a la saveur du zen, c'est la pratique de la liberté. Donc il y a toujours une façon simple de savoir si notre pratique est correcte. On se demande, est-ce que je suis libre? Est-ce que je me sens libre? Par exemple, quand je reviens à mon inspiration et que je porte toute mon attention sur mon expiration, est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens libre quand, par exemple, j'ai l'image d'une glace pendant une journée chaude et que je commence à bouger mon corps, à avoir de la salive, et chercher et trouver la table qui vend des glaces, et je me retrouve à mettre la main dans ma poche pour chercher de l'argent. Donc, dans ce genre de moment, est-ce que ça a la saveur du zen? Ou est-ce que c'est juste la saveur de la glace? Je me suis rendu compte que quand je prends refuge dans le Dharma, ça a le goût de la liberté. Mais quand je prends refuge dans mes idées, à mon sujet, ou à propos de ce que je suis, ou de ce que je veux, je souffre. Ça n'a plus la saveur de liberté. C'est l'expérience que j'en ai faite.
Dans la pratique du refuge dans le Dharma, on apprend à regarder les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire quand ceci est, cela est. Quand les nuages sont assez remplis d'humidité et que la température est suffisante, alors il se met à pleuvoir. Il y a une relation entre la pluie et les nuages. Et quand la pluie tombe, la quantité d'eau dans le sol augmente. Et donc les sources coulent plus. Donc il y a une relation entre les nuages et les sources. Et quand nous allons récupérer l'eau des sources, et que nous la faisons bouillir, et que nous la mettons dans nos thermos, et que nous faisons du thé avec, nous pouvons voir que le nuage est dans le thé, mais sous une nouvelle forme. Quand nous regardons cette tasse de thé, nous pouvons voir un nuage. C'est un enseignement que Thay adore pratiquer, voir le nuage dans son thé. C'est-à-dire voir la relation entre le nuage, la pluie, jusqu'au thé. Donc au lieu de dire comme on dit dans le zen, bois ton thé, c'est-à-dire reviens dans le moment présent, tu as une tasse de thé chaude entre tes mains, tu peux sentir le thé, le goûter. On peut même aller plus profondément dans le regard profond, parce qu'il y a un nuage dans mon thé. On peut dire au lieu de bois ton thé, bois ton nuage. Donc c'est une pratique du village des pruniers de boire nos nuages. Non, on essaye de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Si on pense que c'est juste une tasse de thé, on est déjà pris dans une vue. Mais même si on pense, bon, c'est pas une tasse de thé, c'est aussi une autre vue. Ce n'est pas une tasse de thé, c'est juste un agrégat d'eau chauffée et de feuilles de thé infusées. De la même façon, on est pris dans une vue. Thay, our teacher, dans une des dernières retraites d'hiver que Thay, pendant laquelle Thay enseignait, il a partagé à propos d'un moine qui était assis et qui regardait une personne marcher devant lui. C'est une histoire zen. Hein. Donc un autre moine vient demander à ce moine, est-ce que tu as vu quelqu'un passer par là? Et le moine dit, non, j'ai vu personne. J'ai juste vu un agrégat de formes, de sensations, de perceptions, de formations mentales et de conscience. Mais je n'ai pas vu de personne. Et beaucoup de pratiquants bouddhistes sincères pouvaient penser que ce moine était un bon pratiquant. Et il n'est pas attaché à la vue d'une personne, il voit les choses telles qu'elles sont vraiment. Elles sont juste des formes, des sensations, des perceptions, des formations mentales, une conscience. Mais ça porte à confusion.
Si vous êtes ici au village du Prunier, est-ce que vous auriez vu frère Ketam? Et moi, je l'ai vu, j'étais assis là, je l'ai vu. Je vous dis non, je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu un agrégat de forums, etc. Vous allez penser que je suis un peu bizarre. Et vous pouvez vous demander quel genre de moine c'est, tout le temps en train de pratiquer très profondément. Tai tells that story to help us to become free from also our attachments. Donc les enseignements que Tai nous donne nous aident à nous libérer aussi de tous ces genres de vues, même les vues bouddhistes. Le Bouddha était un maître, un enseignant très pratique. Quand il voyait son attendant Ananda, il ne lui disait pas « dire agrégat de formes, de sensations, voudrais-tu me donner un massage ?» Il va juste demander « Ananda, est-ce que tu voudrais bien me masser ?» Je ne pense pas que le Bouddha soit bloqué dans l'idée que Ananda était un soi séparé, même s'il l'appelait par son nom. Donc je voudrais partager à propos d'un sutra que nous avons dans notre livret de pratique au village des Pruniers, qui s'appelle le discours d'Anuradha. Anuradha était un moine bouddhiste, un étudiant, un disciple du Bouddha. Et ce moine a été abordé par plusieurs moines d'autres traditions. À cette époque, en Inde, il y avait vraiment une forte culture de pratiquants philosophes errants. Un peu si on regarde Years before Christ, 500, 600 ans avant Jésus-Christ, en Grèce, il y avait cette culture de maître qui allait, qui était payé pour éduquer les jeunes, la jeunesse, et créer des instituts, des académies. Et donc vous pouviez trouver ces sages errants qui se déplaçaient pour éduquer la jeunesse. Donc c'était un peu la même chose à l'époque du Bouddha, environ à la même époque en Inde. Il y avait beaucoup d'hommes, et dans la communauté bouddhiste, vous pouviez aussi trouver des femmes. Et donc ces hommes et ces femmes quittaient leur maison pour mendier la nourriture ou trouver de la nourriture là où ils pouvaient, mais généralement ils mendiaient. Donc ces hommes et ces femmes, ils lâchaient de ces ambitions d'avoir beaucoup de vaches ou d'avoir une maison, etc. Ils percevaient la vanité de ces intentions et ils allaient seuls dans la forêt. Ils pouvaient même se nourrir de racines, tout simplement. Et ces philosophes avaient beaucoup de vues à propos de l'univers, du monde. Et Anuradha, donc le disciple du Bouddha, un jour a rencontré un groupe de reclus. Et ils lui ont demandé plusieurs questions. Ils lui ont posé plusieurs questions. Et c'est le genre de questions qui représentent bien le genre de questions philosophiques qui occupaient les esprits à cette époque. Un des noms du Bouddha est Tathagata. It means
gata is can mean gone, or agata means to come. So it's a slightly ambiguous. It could mean and tata is things as they are. Gata, ça veut dire partir. Agata, ça veut dire venir. Donc déjà, c'est ambigu. Et tata. So sometimes it's translated as the thus come one, or it could be the thus gone one. Sont les choses telles qu'elles sont, juste telles qu'elles sont. I like to translate it as ainsi venu. The phrase I have arrived, I'm home. It means donc parfois c'est traduit comme l'ainsi venu et parfois l'ainsi parti. And so the one who is always in the present moment. Thay traduit ça dans son mantra. Je suis arrivé. Je suis à la maison. And so these recluses, je suis chez moi. Je suis arrivé. Knew of this name of the Buddha. Donc c'est lui qui est toujours dans le moment présent. C'est le Tathagata. After death. Does the Tathagata continue to exist? Donc ces reclus étaient au courant, savaient à propos d'un des noms du Bouddha, celui-là, Tathagata, et lui demande, après la mort, donc il demande au moine Anuradha, après la mort, est-ce que le Tathagata continue d'exister? Ça veut dire qu'il existe et qu'après qu'il meurt, il va continuer à exister. Don't worry about writing this down. La deuxième question, après la mort, le Tathagata cesse d'exister. Donc, de l'existence, il passe à la non-existence. La troisième question, ne vous inquiétez pas d'écrire les questions. Hein. Donc, après la mort, le Tathagata continue et cesse d'exister. Donc il n'arrête pas de vivre, n'arrête pas d'exister, mais il fait les deux. Et la quatrième, après la mort, le Tathagata ne continue pas d'exister et ne cesse pas d'exister. Donc là, c'est la négation des deux. Donc il demande au moine Anuradha, quelle est parmi ces quatre propositions, celle qui est vraie? Mais en fait, si vous comprenez, ils essayent de le piéger en quelque sorte dans une de ses vues. En tant que pratiquant spirituel, il faut être vraiment vigilant, comme Anuradha ce jour-là. On a la tendance de rester prisonnier de nos propres connaissances. Et c'est un des obstacles sur la voie de pratique. Et parce qu'on a des connaissances, on a l'idée qu'on est quelqu'un qui connaissons la réponse, et donc on veut donner la bonne réponse à la question qui nous est posée. Et quand on nous propose des choix comme ça, on veut choisir le bon choix. Et même si on a donné notre réponse et qu'on n'est pas sûr, du coup, comme on a donné notre réponse, on veut la défendre. Parce qu'on est celui qui a donné cette réponse. Et ça fait partie de ces barrières, des idées qu'on se fait de qui nous sommes. Et on est pris dans nos vues plutôt que de voir les choses telles qu'elles sont. Et ça devient un obstacle. Si vous avez déjà participé à une réunion avec la Sangha, vous pouvez reconnaître ça directement. On doit prendre des décisions pour la Sangha et on écoute plein d'idées, différents points de vue. Et on a comme un buffet à volonté de vue. Et est-ce que je veux du tofu? Est-ce que je veux du tempeh? Mais une fois que vous avez pris le tempeh, vous êtes engagé envers le tempeh. Vous devez commencer à défendre votre choix. Pourquoi le tempeh est meilleur que le tofu? Et vous avez tout un tas de raisons pourquoi c'est mieux de manger du tempeh. Et très rapidement, donc vous pouvez en arriver à une dispute. Le Bouddha était très conscient de cette tendance qu'on a, surtout quand on commence à partager nos vues aux autres. On a tendance à nous accrocher à ces vues qu'on partage.
Alors, Anuradha commençait à sentir un peu complexé parce qu'il dit « J'ai jamais entendu le Bouddha parler de ce genre d'enseignement. » Il a fait attention de ne pas répondre en représentant de mauvaise façon les enseignements du Bouddha. Donc il a juste simplement répondu « Le Tathagata n'a jamais parlé ni même proposé une de ses propositions, une de ses réponses. » Donc il a répondu honnêtement. C'est une grande réalisation quand on se rend compte, qu'on réalise qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Socrate a dit que la seule chose que je sais pour sûr, c'est que je ne sais pas. Il a eu la même vision que le Bouddha a eue. Et il y a plein de choses dont on n'a pas besoin de savoir pour progresser sur la voie spirituelle. Quand on regarde autour de nous, il y a ceux qui sont très bons pour parler. Il y a d'autres pratiquants monastiques ou laïcs qui sont très bons pour écrire, d'autres pour cuisiner, pour la marche méditative, pour jouer de la musique, un instrument. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être pris dans les comparaisons. Pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi bien pour parler ou pour écrire? Pourquoi j'ai autant de mal à faire de la bonne cuisine pour la communauté? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à chanter? Mais ce n'est pas ce qui est important ou essentiel sur la voie spirituelle. Donc Anuradha était pris. Si Anuradha avait été pris dans son désir de montrer sa connaissance des enseignements du Bouddha, il aurait sûrement été tenté de choisir une des quatre propositions et de trouver une façon d'argumenter et de défendre pourquoi c'est celle-là la bonne. Mais à cette époque, même quand on aurait pas comme ça, on peut rester pris même dans nos vues. Même le Bouddha, à son époque, on pouvait lui poser des questions librement, mais même avec sa réponse, il y a beaucoup de gens qui restaient pris dans leurs questions, leurs vues. Donc à cette réponse, les reclus se sont dit, peut-être qu'il vient juste d'être ordonné, ou s'il a été ordonné il y a un moment déjà, peut-être qu'il est juste un peu simple d'esprit. Et les reclus non satisfaits de la réponse d'Anuradha sont partis, convaincus que soit elle était un jeune moine, soit elle était simple d'esprit. C'est le texte du sutra. En tant que pratiquant, il nous enseigne la pratique de l'humilité. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison, tout le temps raison. Le plus important, c'est de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Et si vous ne savez pas, dites simplement « je ne sais pas ». C'est OK. Et on a moins tendance à être pris dans cette fierté et de vouloir défendre nos vues. Donc Anuradha était OK avec sa réponse, mais il était quand même pas sûr. Il se demandait, qu'est-ce que je devrais répondre la prochaine fois si d'autres reclus continuent de venir et me poser cette question? Qu'est-ce que je devrais répondre de façon à pouvoir représenter la vérité et mal interpréter les enseignements du Bouddha? Spoke words of greeting and then told the Buddha what had happened.
Donc il décidait d'aller rencontrer le Bouddha, lui demander. Donc il se présente au Bouddha, il le salue et il lui raconte ce qui s'est passé. Donc il l'a fait comme quelqu'un qui ne sait pas, c'est-à-dire aller et demander une question du cœur, une question honnête, et ne pas avoir peur d'être critiqué pour ne pas recevoir la critique, de ne pas avoir assez de connaissances. These five aggregates. And Thay teaches us to look at them like a river, always flowing, always changing. Dans la pratique du Dharma, comme je l'ai dit avant, nous voyons le soi comme composé de cinq aggrégats. Et Thay nous enseigne de les voir comme une rivière, cinq rivières qui n'en font qu'une, en permanence en train de changer, de couler. Donc il y a le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales, et la conscience. Donc corps, sensation, perception, formation mentale et conscience. So body is our physical body. We receive this body from our parents. Le corps, ça désigne notre corps physique. On a reçu ce corps de nos parents par l'union de notre père et de notre mère. Et donc, à travers nos parents, nous recevons aussi ça de nos arrières, de nos grands-parents. Quand nous regardons plus profondément dans notre corps, dans ce corps, nous pouvons voir qu'elle n'est pas vraiment séparée de ce que nous pensons être. En dehors de ce corps, par exemple, notre corps est adapté pour respirer l'air. Donc, on peut voir l'air à l'extérieur de notre corps, mais est-ce que le corps peut continuer de survivre sans air? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr à propos de ça? On sait aussi que pour continuer de grandir, on a besoin de nutriments. Donc la nourriture que nous mangeons devient ce corps. Elle s'est transformée en sucre, en fibres, dans tous les éléments qui sont amenés de notre sang jusqu'à nos muscles, nos os, etc., de façon à ce que notre corps puisse continuer de grandir et de rester en vie. Nous pouvons voir aussi l'eau quand nous continuons de regarder notre corps. Sans l'eau, notre corps ne pourrait pas survivre bien longtemps. Donc, on peut voir aussi qu'en fait, les nuages ne sont pas séparés du corps. On n'a plus besoin d'être confus. Ça, c'est le corps et ça, c'est pas le corps. Si on regarde profondément, on se rend compte que l'environnement est aussi le corps, que la terre-mère est un représentant du corps. Donc, le corps est représentant de la terre. Flowing.
Donc, comme dit précédemment, on voit ces éléments comme une rivière qui coule. We can think of the water in the river as the body. When you see the Mississippi River, on peut penser à l'eau de cette rivière comme le corps, comme étant le corps. Est-ce que quelqu'un est déjà allé au Mississippi? I think it's the largest river I've ever stood next to. Je pense que c'est la rivière la plus grande auprès de laquelle je suis resté. Il y a vraiment un courant très 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 fort, très très puissant. On a un centre à côté du Mississippi, le centre des pratiques Magnolia Grove, qui est une place très paisible. Et très proche de ce centre, on a la rivière Mississippi. Et souvent, on a l'occasion de marcher le long de cette rivière, sans la berge. Si je prends un récipient et que je le mets dans la rivière et que je le tiens, est-ce que c'est la rivière Mississippi dans le contenant, le conteneur ? Est-ce que la rivière Mississippi a cessé de couler à côté de moi ? Et maintenant, je l'ai pris dans ce récipient. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? That's a good answer. Je crois que j'ai entendu quelqu'un dire « je ne sais pas ». Je pense que c'est la meilleure réponse. C'est bien de ne pas savoir. Ça veut dire qu'on est en train de regarder profondément. Mais la plupart des gens vont dire, mais non, ce n'est pas la rivière. Puisque la rivière est toujours là, en train de couler. Mais ça n'a pas l'air d'être complètement la vérité. Puisque d'une certaine façon, l'eau dans ce récipient est la continuation de l'eau dans la rivière. Il y a une connexion entre la rivière, le fleuve, et l'eau dans ce récipient. De la même façon, quand on produit une pensée, quand on parle, quand on agit, les actions du corps, nous pouvons voir ça aussi comme une continuation. Si on dit cette phrase, cette action, cette pensée, et cette personne, ce n'est pas correct non plus. Ce n'est pas correct à 100%. On ne peut pas dire que c'est la même chose, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas entièrement quelque chose d'autre. Mais c'est la pratique du regard profond. Et c'est ok, ça n'a pas besoin d'être 100% le frère Fablou ou 100% pas le frère Fablou. Et maintenant, vous pouvez voir la connexion. Ceci est parce que cela est. Et c'est le genre de vision profonde que nous pouvons avoir en pratiquant le regard profond. En regardant, par exemple, dans la rivière de notre corps. Nous pouvons voir que la berge qui donne forme au fleuve fait aussi partie du fleuve. Que les éléments qui utilisent la rivière, tous les affluents qui vont dans la rivière, les sources, les petits ruisseaux, etc., font aussi partie du fleuve. L'eau qui s'évapore, qui devient des nuages, tout ça fait partie. On ne peut pas dire qu'il y a un moment, ce n'est pas la rivière et qu'à ce moment-là, ça devient la rivière. Ou qu'il y a un moment où c'est la rivière et ça ne devient plus la rivière. What had happened, questions,
Après que le moine Anuradha ait raconté au Bouddha ce qui s'est passé, le Bouddha lui a demandé, alors qu'est-ce que tu penses Anuradha? Est-ce que tu peux trouver le Tathagata dans la forme, c'est-à-dire dans le corps? Est-ce que tu peux trouver le fleuve Mississippi dans le fleuve lui-même? Anuradha a répondu non, très honoré, non, je ne peux pas trouver le Tathagata dans la forme. Si je prends ce récipient d'eau, est-ce que c'est le fleuve Mississippi? Est-ce que vous pouvez trouver le fleuve Mississippi dans le récipient? Est-ce que vous pouvez sauter dans le fleuve et trouver le fleuve comme quelque chose qui serait l'essence de ce fleuve, comme un dieu, une déesse, voilà. Le dieu du fleuve? Nager, vous allez le plus profondément possible et chercher. Et là, vous trouvez, ah, ça, c'est le fleuve. Et les autres choses ne sont pas le fleuve. C'est l'enseignement que le Bouddha venait de donner à Anuradha. Notre esprit discrimine entre ce qui est et ce qui n'est pas. Et quand on regarde le fleuve Mississippi, on peut voir aussi que la berge elle-même n'est pas entièrement séparée du fleuve lui-même. Parce que c'est la terre des berges qui guide le fleuve. Et ce qu'on appelle le fleuve Mississippi ne pourrait pas être sans ces berges. Donc les berges aussi font partie du fleuve. Et c'est une façon de pratiquer le regard profond. Et c'est ce qu'on appelle prendre refuge dans le Dharma. On ne pense pas que le fleuve Mississippi est ceci ou cela. À la fin du 19e siècle, de plus en plus de personnes s'installaient dans le delta de la vallée du Mississippi et ils remarquaient les changements du fleuve Mississippi. Et ils remarquaient qu'il y a des bancs entiers qui étaient formés par le courant de l'eau. Wanted to use that floodplain, the rich soil around the Mississippi River, for growing food, other things. Et parce qu'ils voulaient trouver un moyen d'utiliser les terres riches proches du fleuve Mississippi. Ils ont commencé à fortifier ces parties de la berge. Mais quand soudainement une tempête est arrivée et que l'eau a augmenté, ça a cassé toutes les structures qu'ils avaient mises en place. Et c'est ce qui se passe dans notre esprit quand on catégorise et qu'on crée l'idée d'être, non-être, c'est comme des barricades artificielles qu'on crée pour que les choses restent telles qu'on veut, qu'elles restent telles qu'on pense qu'on est. Et ce sont des barrières artificielles pour maîtriser ce flot. Ce flot impermanent du corps, des sensations, des perceptions, des formations mentales et de la conscience. Mais soudainement, une émotion arrive, comme la colère, un volcan de tristesse. On est choqué. On a construit nos terres, nos barricades, nos fermes à côté de cette rivière. Mais on a mal compris la nature du fleuve. On a sous-estimé
la puissance de l'eau. On a oublié que l'eau aussi tombe des nuages. Et parce que nos vues étaient limitées à propos de l'identité de ce fleuve et à propos de ce qu'on pensait que c'était, il y a beaucoup de destruction et de morts. Et un des plus récents exemples, c'est l'ouragan Katrina. Donc quand on essaye de apprivoiser, dresser la rivière, il faut faire attention. Et quand on comprend mal ce que c'est, ce qu'est notre corps, on se met nous-mêmes en danger. On s'auto-prépare pour des expériences de trauma et de souffrance sans même le savoir. Et c'est la vision profonde des enseignements que Thay voulait nous offrir en voyant le corps comme une rivière. Il ne faut pas être piégé dans nos vues à propos du corps. Et on peut voir les sensations comme le courant de ce fleuve. Parfois c'est gentil, c'est lent, calme. Parfois on remarque presque pas à la surface et le niveau du fleuve s'abaisse. Parfois, en revanche, il y a une tempête et les digues se cassent, se brisent. En tant que pratiquant, on apprend à prendre soin de nos émotions. Et à savoir que ce n'est pas permanent, que c'est impermanent, que c'est tout le temps en train de changer, que ce courant évolue. Et petit à petit, on fait connaissance avec la nature du fleuve, la nature du courant. Et quand les émotions fortes se manifestent, on adapte notre compréhension. Donc on ne peut pas s'attacher trop fermement à notre vue, comment est le fleuve, comment est le courant. Donc la pleine conscience est une sorte de science. C'est la neuroscience appliquée subjectivement. On n'essaye pas d'exporter nos connaissances et à faire des expériences avec des singes, des souris, des rats. Tout d'abord, on utilise cette science pour reprendre la souveraineté de notre corps et de notre esprit. Rien n'est une vérité avec un V majuscule. La vérité se trouve au sein même de la vie. Et c'est ce que nous pouvons trouver dans les 5 et les 14 entraînements à la pleine conscience. C'est un peu le rugissement du lion de Thay au village des pruniers. On ne peut pas accepter nos énergies d'habitude comme on ne peut pas accepter en tant qu'être humain que nos énergies d'habitude soient exportées et à l'extérieur de nous. On ne peut pas prétendre savoir ce qui se passe dans notre propre esprit et notre propre corps et d'une certaine façon on prend refuge dans une autorité extérieure pour s'en remettre à eux. Même si on a une très bonne intention. Il y a un jeune moine allemand, bénédictin, qui a commencé à imprimer la Bible en allemand. La canonisation de notre foi et
de notre croyance a commencé à se briser parce que les gens la lisaient par eux-mêmes, commençaient à développer leur propre compréhension de la Bible. Mais comme l'Église s'était construite sur toutes ces fondations, quand les gens ont commencé à développer leur propre compréhension, ça a causé beaucoup de souffrance, de destruction. Parce que quand on offre, on remet notre liberté en quelqu'un d'autre, c'est ce qui arrive. En Bolivie, il y a eu une centaine d'années de culture de quinoa. Peut-être vous savez ce qu'est le quinoa, c'est assez populaire chez les végétariens. C'est pas très lourd, c'est léger et ça apporte beaucoup de protéines. Et pour beaucoup de générations, c'était une culture très enviée, chérie. Et ceux qui possédaient des terres de quinoa étaient assez riches. Et récemment, j'ai entendu que les habitants de la Bolivie, maintenant, les personnes pauvres ne peuvent plus se permettre de manger le quinoa, mais qui sont cultivés sur leurs propres terres. Et parce que nous, on aime manger le quinoa, et que c'est devenu un phénomène, maintenant on mange beaucoup de quinoa, donc même ces personnes-là ne peuvent plus manger leur propre quinoa. Et ça, c'est l'héritage de la colonisation européenne. Occidentale. On peut dire ça autrement, on a appris à exporter notre souveraineté sur quelqu'un à l'extérieur. Et c'est une énergie d'habitude dans la culture humaine. Et si on ne fait pas attention, on n'est même plus dans une situation viable. Dans notre propre esprit, dans notre propre corps. On exporte notre liberté, mais on ne peut plus se permettre d'être libre nous-mêmes. Et c'est un enseignement puissant du Bouddha. Pour ça, quand il a enseigné, il a dit que c'était pour le bien-être et les bénéfices de la plupart. Même s'il avait vu que les autorités spirituelles exportaient leur souveraineté. Aujourd'hui, on fait la même chose avec les spécialistes dans la science. Et si on ne fait pas attention, on va tomber dans le même piège, en fait. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois, déjà dans le passé, de nous en remettre à la science trop. Écoutons un son de la cloche. Établissez votre respiration de façon à ce qu'elle dirige votre pensée. Je suis attentif à 100% à ma respiration. Dans le Dharma, ça signifie que nous établissons notre souveraineté sur notre corps et notre esprit. Et immédiatement, nous goûtons la liberté et le goût du zen. Peut-être que ce goût est très court, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est. Vous devez faire l'expérience vous-même. Thay dit souvent que je pourrais rester assis là et vous décrire quel est le goût d'une mangue. C'est très sucré, nourrissant. C'est un fruit très juteux. Il y a une très bonne odeur, mais ça
mais avec ça ne convoit pas l'expérience de manger une mangue. Ça ne rend pas l'expérience. Les mots ne sont, sont pas comparables à l'expérience. Les mots ne sont que des indications. Ils sont tellement éloignés de l'expérience de manger une mangue. Une fois qu'on en a fait l'expérience, une fois qu'on a fait l'expérience du goût et que je vous dis, oh, il y a des mangues sur la table pour le repas, je ne sais pas, hein, c'est juste c'est un exemple. Probablement, il n'y en aura pas. Mais immédiatement, vous avez l'expérience dans votre mémoire de ce que c'est que le goût de la mangue dans votre bouche et dans votre estomac, la façon dont elle nourrit votre corps. Et je n'ai pas besoin de l'expliquer parce que vous, vous l'avez déjà goûté. Et en fait, c'est l'essence de la méditation. Il ne s'agit pas seulement de savoir, de connaître, d'avoir des connaissances sur le bouddhisme. Il faut en faire l'expérience, le goûter. C'est délicieux. Le goût de la liberté est excellent, délicieux. Une fois que vous avez goûté la liberté, quand vous allez vous coucher le soir, vous dormez très paisiblement. Vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit. Vous n'êtes pas pris dans vos pensées, emprisonné par votre anxiété. C'est le goût de la liberté. Être capable d'aller se coucher le soir et de dormir, c'est le goût de la liberté. Ne pas avoir des pensées, des anxiétés, des soucis qui vous assaillent constamment, ça, c'est le goût de la liberté. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à faire le goût de la liberté pendant que vous êtes ici au village des pruniers. Vous n'êtes pas ici pour vous en aller avec plein de nouvelles connaissances. Toutes ces choses, ce ne sont que des métaphores qui vous permettent de revenir à vous-même de façon à voir la rivière de votre corps directement, voir la rivière de vos sensations, le courant de vos émotions, et de voir la nature de votre propre esprit. De ne pas continuer ces énergies d'habitude de mettre votre liberté ailleurs, parce que sinon vous ne pourrez plus manger la quinoa. Il faut manger la liberté. Et c'est possible. C'est vraiment possible. Mais vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. On ne fait que créer les conditions ici au village des pruniers. On ne peut pas vous forcer à le faire. Et simplement parce que le fait qu'on porte la robe d'un moine ou d'une moniale ne signifie pas qu'on est déjà libre. Peut-être qu'on a goûté la liberté, mais en tant que moine et moniale, on peut être très... paresseux. On peut se dire, oh, dans le passé, j'ai fait le goût de liberté, mais maintenant, il y a tellement de bonnes choses ici. Le thé, j'adore vivre avec les frères. En fait, vous finissez par oublier vos propres sensations. Prendre refuge dans le dharma, ça signifie qu'on réalise, qu'on mange la liberté pour le dîner. On ne se contente pas d'en parler. Il faut la manger, il faut la réaliser. Ça ne sert à rien de se contenter de parler de la mangue. Le Bouddha a répondu à Anuradha. Qu'est-ce que tu penses, Anuradha? Est-ce que tu peux trouver le Tathagata dans la forme? Non, honoré par le monde. Est-ce que tu peux trouver le Tathagata en dehors de la forme? Sur les berges de la rivière, est-ce que vous pouvez trouver le Mississippi dans les nuages? Est-ce qu'il y a l'essence du Tathagata qui est là en dehors de la forme? Non, honoré par le monde. Est-ce que tu peux trouver le Tathagata dans les sensations, les perceptions, les formations mentales ou la conscience? Non, honoré par le monde. Est-ce que tu peux trouver le Tathagata en dehors des sensations, des perceptions, des formations mentales, de la conscience? Donc le Tathagata n'est pas dans ces choses. Et s'il n'est pas dans ces choses, est-ce qu'il est d'une certaine façon ailleurs? C'est notre esprit d'investigation.
Qui veut ça? Alors, en tant qu'être humain, dès qu'on a commencé à marcher, le climat a changé au même moment, il y a quelques centaines de millions d'années. Et nous avons développé notre capacité à traquer un animal, à chasser. Et donc, on a un système de chasse à l'intérieur que l'on partage avec d'autres animaux et d'autres prédateurs. On est toujours en train de chercher quelque chose. Tai a écrit un très beau poème qui s'appelle « Chercher le Tathagata ». Et c'est à propos de notre profonde aspiration à réaliser cet éveil. Je suis chez moi, je suis arrivé. Et d'une certaine façon, c'est déjà là. Et pourtant, vous ne pouvez pas le trouver. Il n'est là que dans le moment présent, dans vos pas, en pleine conscience, votre respiration en pleine conscience. Et quand vous êtes perdu dans vos pensées, d'un seul coup, il disparaît. Où est passée ma liberté? Où est passé le Tathagata? Est-ce que vous pouvez trouver le Tathagata en dehors des sensations, des perceptions, des formations mentales et de la conscience? Non, honoré par le monde. Alors, Anuradha, est-ce que tu penses que le Tathagata transcende Est-ce que tu penses que le Tathagata transcende les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience? Non, honoré par le monde. Anuradha, si tu ne peux pas trouver le Tathagata alors qu'il est encore en vie, est-ce que tu peux trouver le Tathagata dans ces quatre propositions? Est-ce que le Tathagata continue à exister ou cesse à continuer d'exister après la mort, ou ne continue pas et ne cesse pas d'exister, ou continue et cesse d'exister après la mort? Non, Anuradha. C'est bien ça, Anuradha. Le Tathagata n'a parlé que d'une chose, la souffrance et la fin de la souffrance. Souffrance et fin de la souffrance, les nobles vérités. On va écouter un nouveau son de la cloche. Revenons à notre corps et voyons s'il y a des sensations désagréables. Peut-être que nos genoux sont, qu'on a un peu mal aux genoux à cause de l'assise, peut-être qu'on a un peu mal à la tête, peut-être qu'on a quelques tensions dans les épaules. Ramenez votre attention à cette sensation et permettez-lui d'être embrassé et revenez à votre pleine conscience. Certains des disciples du Bouddha n'ont pas compris les enseignements sur les cinq skandhas, sur les cinq agrégats. Et ils ont pensé que de façon à être libre, il fallait détruire les cinq skandhas. Et ça signifie qu'en fait, ils se sont suicidés. Et parfois, quand on est perdu dans le désespoir, certains d'entre nous peuvent avoir cette idée. Ma souffrance est tellement grande que la seule façon de me libérer d'elle, c'est de sortir de cette vie. Ça veut dire qu'on est emprisonné dans la vue que notre souffrance est permanente, qu'elle ne va jamais cesser. Et que la seule voie de sortie, c'est d'éliminer la rivière des sensations, essayer de la faire disparaître. Donc, on va de l'être au non-être.
et c'est notre idée. Et on appelle ça la vue du nihilisme. Ainsi, être emprisonné dans une vue, dans une façon de voir les choses, c'est vraiment une question de vie et de mort, c'est très sérieux. C'est pourquoi on parle tellement ici, au village des Pruniers, de la vue juste et du noble octuple sentier. Comment est-ce qu'on génère la vue juste? Parce que c'est vraiment une question de vie et de mort. Être emprisonné dans un concept, c'est très sérieux. Ça peut faire naître énormément de souffrance, de douleur. Et le Bouddha a eu cette vision profonde que les reclus qui sont venus lui poser ces questions étaient emprisonnés dans certaines visions, façons de voir les choses. Et donc, il leur a répondu de façon à leur montrer qu'il n'avait aucun intérêt dans ces façons de voir les choses. Et pourtant, il aurait pu répondre autrement et que et il aurait été très célèbre. Mais en fait, le Bouddha n'avait aucune envie d'être célèbre. Il n'était pas intéressé par la gloire et d'être l'auteur spirituel le plus connu. La seule chose dans laquelle il était intéressé, c'est la liberté, être vraiment libre. Ainsi, écouter ses vues would bring him suffering. Accepter une de ces façons de voir les choses aurait provoqué de la souffrance pour lui et pour ses disciples. Il devait faire très attention à ce qu'il disait. Et cette attention, c'était le fruit de sa pratique, le fruit de sa libération. Et ainsi, quand il a parlé des skandhas, des agrégats, de ces cinq aspects, il a utilisé le terme upadana. C'est un peu moi, je, moi, moi-même. Upadana skanda. Donc c'est upadana. Upadana, it means ça veut dire attraper, s'agripper. Il y a un mot pour le carburant. Le bois, c'est le carburant pour un feu. On ne peut pas avoir de feu sans bois. And it's like the flames are that manifest that we observe from the fire are they're licking, they're grasping. Les flammes qui se manifeste, que nous observons dans le feu, elle s'agrippe au carburant, au bois. C'est un peu cette image, upadana skanda. On a besoin de quelque chose. On s'agrippe à notre corps. C'est moi, c'est moi-même, c'est mon être. Et ainsi, la flamme, à cause de ça, la flamme de nos afflictions continue à brûler. Ces sensations sont moi. C'est ma personne. Ce désespoir est moi. Il est mien. Si nous croyons de cette façon, si nous avons ces croyances, si on s'agrippe à ces vues, à cette façon de voir les choses, ce n'est pas étonnant que l'on se fasse mal, comme ces moines l'ont fait au temps du Bouddha. Parce que si nous sommes juste ce désespoir, et que l'on veut mettre un point final à ce désespoir, c'est normal que l'on finisse par se détruire soi-même. Mais c'est le résultat d'une vue erronée. On pense ce désespoir est moi, il est mien, mais on ne regarde pas profondément dans la rivière des cinq skandhas pour voir que ce courant fort vient d'une tempête. Il est nourri par les nuages, par le changement climatique qui a provoqué cette tempête qui se déverse dans le courant et qui finit par briser les digues et
provoque une inondation dans le jardin bien cultivé, bien propre de notre jardin de pratiquants. Et alors, avec une fois qu'il y a cette inondation, on s'est dit, mais où est passée ma pratique? Pourquoi j'arrive au village des pruniers et pourquoi est-ce que d'un seul coup, je n'arrive plus à pratiquer et je souffre autant? Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas regardé votre souffrance. Peut-être qu'elle était là et que vous êtes là, vous vous détendez et d'un seul coup, La tempête qui s'est préparée depuis des mois et des mois ou même des années, d'un seul coup, se manifeste. Mais parce que nous sommes dans une communauté de pratiquants, nous pouvons emprunter l'énergie de pleine conscience des amis qui sont là à côté. Peut-être que c'est trop dur pour nous, mais on peut s'asseoir là et prendre la main d'un frère, d'une sœur. Ils peuvent nous aider, ils peuvent respirer avec nous. Beaucoup de parents dans dans le programme des enfants sont formés ainsi, même si un enfant n'a pas encore appris à respirer. Les parents apprennent à s'asseoir à côté d'eux, à leur tenir la main et à respirer pour eux quand ils se mettent en colère. La plupart des parents, quand un enfant se met en colère, ils ont tendance à juste lui donner ce qu'il veut. Et ils veulent juste mettre fin à la tempête. Mais en fait, l'enfant ne sait pas comment prendre soin de leurs émotions. Il ne sait pas comment le faire. Mais le parent est là pour leur offrir ce qu'ils veulent ou aller en vacances là où ils veulent. Mais en fait, celui qui s'est enseigné a de la nourriture pour toute sa vie. Quand on est assis et qu'on tient la main de notre enfant, notre énergie de paix et de calme est transmise à l'enfant. Nous calmons notre corps, notre esprit, et ils sont affectés par cette énergie de paix. Et ça devient l'énergie collective de la pleine conscience. Donc même s'ils n'ont pas la pratique, ils peuvent apprendre à calmer leur colère. De la même façon, quand vous venez ici, vous avez des sentiments, des sensations de colère, de désespoir, de tristesse. Regardez ça comme un cadeau merveilleux. C'est un cadeau d'avoir cette peur, cette tristesse et d'être là au village des pruniers. Si vous avez beaucoup d'amis, vous pouvez emprunter leur énergie de pleine conscience pour embrasser cette émotion. Pour donner à la colère de la pleine conscience, même si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas assez de pratique pour le faire vous-même, c'est la beauté de la pratique en communauté. Alors s'il vous plaît, ne vous dites pas j'ai besoin d'un village défini parce que j'ai besoin de joie et de bonheur. Si vous avez, Thay a souvent dit que je ne veux pas que mes étudiants vivent dans une sorte de terre pure où il n'y a pas de souffrance, un genre de paradis sans souffrance. C'est parce que c'est grâce à la souffrance, grâce à comprendre la souffrance, aux causes de la souffrance, il faut que l'on apprenne à ne pas nourrir la souffrance. Et ainsi, on peut générer le bonheur, un vrai bonheur durable. Et c'est pour ça qu'on est ici. Et s'il n'y avait pas de souffrance ici, et si tout était juste tranquille, à l'aise, comme on veut, faites-y attention quand vous rentrerez chez vous, parce que vous allez devenir addict au village des pruniers. Je ne peux être heureux que au village des pruniers, je ne peux pas être heureux que ce soit d'autre. Ce n'est pas la pratique de la véritable liberté. Donc il faut que nous regardions dans nos sensations pour voir pourquoi est-ce qu'on s'agrippe
cette sensation, est-ce qu'il y a quelque chose de permanent là-dedans? En fait, ça veut dire qu'on ne regarde pas assez profondément. Nous ne sommes pas dans l'état du flot de la rivière. Dans notre propre corps, dans notre sensation, on fait la même erreur. Jour après jour, on se dit « je suis triste ». Je suis en colère, je suis ceci, je suis cela. Et on ne voit pas qu'à cause de ça, ma tristesse se manifeste. Parce que je pense ainsi, parce que je dis ces choses à mes bien-aimés, c'est pour ça que la tristesse est nourrie. Elle devient si grande qu'elle envahit mon esprit. À l'intérieur des scans, donc, notre pratique, c'est de lâcher prise de ce à quoi on s'agrippe, d'arrêter de s'agripper aux choses. C'est exactement comme si vous mettiez la main dans la rivière et vous essayez d'agripper l'eau. L'eau, en fait, traverse vos doigts, vous ne pouvez pas vous s'agripper à la rivière, aussi, même en essayant très fort. Nos émotions, nos sensations, c'est la même chose. Si nous ne comprenons pas ce qui alimente ce flot, on ne peut pas s'attendre à savoir comment calmer nos émotions. Juste en agrippant les choses, on essaie de manipuler la rivière, on essaie de changer le courant. Mais en fait, si on fait ça, à la fin, les digues vont se briser. C'est parce qu'on ne comprend pas ce qui alimente la rivière et on va souffrir à nouveau. Alors, les perceptions sont comme quelque chose qui est sur la rivière. Sur le côté, sur les berges. Ah oui, alors si on est sur le bord de la rivière, on va peut-être voir des morceaux de bois qui sont portés, qui flottent. On va peut-être voir des animaux aussi dans la rivière, des poissons, peut-être même des vers. Et en fait, tout ça, c'est nos perceptions. Elles sont là. Last spring, we did a hiking retreat in the United States, and at the end, we walked along the Potomac River to Washington, D.C. Le printemps dernier, on a fait une retraite de randonnée au village, aux États-Unis et on a marché le long d'une rivière jusqu'à Washington. Et la semaine précédente, il y a eu de gros orages et il y avait beaucoup d'eau en Virginie. Et toute cette eau, au moment où on est arrivé près de la rivière, on a vu qu'elle s'était inondée autour de la rivière et la rivière était marron foncé. Et quand on a des émotions fortes, toutes ces perceptions sont toute la boue est mélangée et on continue à penser et à alimenter notre jalousie, notre colère et à penser à propos de la personne qui nous a mis en colère. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ceci? Pourquoi est-ce qu'elle a dit cela? Quand on est assis, il faut apprendre à s'asseoir sur le bord de la rivière et regarder ce qui passe, voir peut-être le plastique ou le bois qui flotte, hein, sans essayer d'agripper ces choses. Nos pensées ne font que passer dans notre esprit et on sourit. Et on peut se réjouir d'être juste assis sur le bord de la rivière. Sans penser que ce plastique, ce tronc qui flotte là, c'est moi. Mes perceptions ne sont pas moi. Vous ne pouvez pas trouver le Tathagata dans ces perceptions. Les formations mentales sont comme des vagues. C'est un peu de la dynamique, le flot de la rivière. Quand il y a un passage étroit dans la rivière, alors quand on était en train de faire la randonnée près de la rivière du Potomac,
On est arrivé à un endroit pas loin de Washington. Il y a un endroit, c'est un rapide. Et parce que le courant est extrêmement puissant, et c'était fascinant de regarder les rapides du Potomac. Et en fait, c'est nos formations mentales. Elles sont impermanentes, toujours en train de changer. Parce qu'il y a des endroits de cascades. Les cascades, c'est comme notre colère. And if you try to ride down in a canoe, then you almost certainly will die. D'eau, notre colère déborde. Et si vous essayez de flotter, de passer là en canoë, vous risquez de mourir. Mais vous pouvez aller voir le Potomac après une sécheresse et vous allez voir juste un petit torrent très doux et vous allez vous demander, est-ce que c'est le même Potomac ou est-ce que c'est un autre? Celui, il est tellement différent de celui que j'ai vu il y a quelques mois après l'orage. De la même façon, vous allez peut-être vous penser, ah, je suis une personne en colère, mais en fait, si vous êtes calme, vous allez vous rendre compte que vous pouvez répondre paisiblement à d'autres situations. Est-ce que vous êtes une personne différente de la personne il y a quelques jours? C'est sans cesse en mouvement. Tout ça, ça change. Et le dernier des cinq scandales, la conscience. On peut la regarder comme le seuil, le palier, le seuil. Dans la pratique bouddhiste, on parle des portes et fenêtres des sens. Nos yeux, quand ils entrent en contact avec la forme, la conscience visuelle se manifeste. Quand nos oreilles entrent en contact avec le son, la conscience auditive naît. Sans le contact entre les yeux et la forme, il n'y a pas de conscience. La conscience visuelle, en tout cas, ne se manifeste pas. Donc on voit que nos sens sont aussi conditionnés. Quand nous regardons la rivière, nous voyons que chaque tournant de la rivière produit une réponse. Chaque mouvement de la rivière, chaque pierre, chaque chose dans la rivière va changer en fait son courant. D'une certaine façon, on peut dire que la rivière est consciente. Elle répond à des conditions extérieures. Son courant répond à des conditions extérieures. Le seuil entre ce qu'on pense être la rivière et ne pas être la rivière, c'est comme nos sens. Elle est sans cesse en train de transformer le courant. Et c'est la nourriture qui... et qui se poursuit dans la forme de la rivière. Dans notre pratique de regarder les cinq scandhas comme une rivière, il faut regarder ce qui nourrit la rivière, ce qui pénètre par les fenêtres des sens, par notre nez, nos oreilles. Et en fait, il a mélangé les différents sens. C'est pour ça qu'il a souri. Même notre pensée est une certaine sorte d'aliment. Et il y a des raisons. On comprend la forme de la rivière. On n'a plus de confusion par rapport à la nature de courant. Si je regarde des films violents, ça va nourrir ce sentiment d'agressivité. Parce que j'ai entendu cette conversation, je vais commencer à avoir aussi des perceptions à propos de cette personne. Mais je ne les regarde plus comme des merveilles, comme quelque chose qui a besoin d'être découvert, ou quelque chose qui doit être mis dans une boîte.
mais je les vois comme une forme très limitée de la façon de voir les choses. Quand nous regardons, nous apprenons comment lâcher prise des cinq skandhas, ne pas continuer à nous agripper. On apprend à être conscient de nos pas, on apprend à arrêter nos pensées et on apprend à faire l'expérience directe de la vie dans notre corps, dans nos sensations, dans nos formations mentales. Alors, ainsi, on a le goût de la liberté et on ne s'agrippe plus à ce corps et à cet esprit comme moi et mien. Et on peut ainsi marcher comme une personne libre sur la terre. Et c'est le miracle de la pleine conscience. Vous arrêtez de vous agripper. Vous arrêtez d'être la flamme qui est attachée à son carburant, à son combustible. Je vous invite maintenant à marcher comme une personne libre, à apprendre à goûter la liberté avec vos pas, avec la rivière de vos sensations, de vos perceptions de formation mentale. Essayez de voir si vous pouvez faire l'expérience du goût de la mangue. Ne vous contentez pas d'écouter ce que je dis, mais faites-en l'expérience. Goûtez-le, essayez à 100%. Vous ne savez pas. Pas si vous reviendrez un jour au village des pruniers et si vous allez avoir ces conditions à nouveau pour pratiquer. Alors faites bon usage du moment présent. Je vous souhaite une bonne pratique, beaucoup de liberté et de joie. Et peut-être aussi de pouvoir regarder à quelques souffrances pendant que vous êtes ici cette semaine au village des pruniers. Merci.